Mysterious case of three missing persons. 16-year-old Kylie Rodney still missing after she disappeared more than 2 weeks ago. But California investigators also learning a couple went missing around the same time in the same area. The Selma family is asking for your help in locating their missing daughter. 22-year-old Jalissa Fuentes was seen last Sunday at an AM/PM gas station. There's a $5,000 reward for any information about her. Hello, c'est Lionel, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo d'actualité, je voudrais vous parler d'une affaire qui fait grand bruit en ce moment aux États-Unis. Ça va être l'affaire de l'été à mon avis. L'an dernier, on a eu droit à la disparition de Gabby Petitot. Cette année, ça va être l'affaire Kylie Rodney. Je vais tout vous expliquer dans quelques instants, mais avant toute chose, si vous aimez mon contenu, si vous voulez soutenir mon travail, je vous invite à liker cette vidéo et aussi à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne louper aucune future vidéo. Merci. L'affaire Kylie Rodney, c'est une affaire qui est très intéressante parce qu'en plus, il y a plusieurs affaires dans l'affaire, vous allez voir. On va faire comme d'habitude, on va commencer avec la présentation des faits. On va remonter au 6 août 2022 et on va partir à Truckee, en Californie, une petite ville de 16 000 habitants près du lac Tahoe. C'est une zone forestière très touristique. Le lac Tahoe, c'est très très connu aux États-Unis. Kylie Rodney est une lycéenne de 16 ans. Les cheveux blonds, elle mesure 1m70 et pèse environ 53 kg. Elle est donc très mince. Kylie habite à quelques kilomètres au sud de Truckee avec sa famille et elle a obtenu son diplôme du secondaire avec mention. C'est donc une très bonne élève et elle adore la musique. Elle joue d'ailleurs de plusieurs instruments, violon, guitare, mandoline, etc. Kylie doit démarrer prochainement des études au Sierra College et elle hésite encore entre la musique et la médecine. Les parents de Kylie sont séparés et la jeune fille vit avec sa mère Lindsay et son petit frère Shep, âgé de 8 ans. À Truckee, Kylie vit une vie d'adolescente assez ordinaire aux États-Unis. Elle est populaire, elle a beaucoup d'amis et elle a aussi apparemment un boyfriend de 18 ans nommé Jagger Westfall. Le vendredi 5 août 2022, Kylie profite de ses vacances, comme des millions d'autres jeunes. En fin d'après-midi, vers 18h, Kylie fait du shopping à Truckee. Elle est d'ailleurs filmée par une caméra de vidéosurveillance d'un magasin. On voit qu'elle porte un body noir et un pantalon Dickies. Cet après-midi-là, elle voit l'une de ses copines nommée Kate Cuno, qui la trouve tout à fait normale. Ce soir-là, ce vendredi soir, Kylie a prévu de sortir. En effet, une soirée d'adieu a été organisée par les lycéens qui doivent partir à l'université à la rentrée prochaine. La fête est organisée sur un terrain de camping situé dans la forêt nationale du lac Tahoe. L'endroit est situé sur la rive ouest du réservoir Prosser, à environ 10 minutes en voiture au nord de Truckee. Donc le vendredi soir, Kylie se prépare pour aller à la fête et elle monte dans sa voiture, une Honda CR-V argentée de 2013 avec une plaque d'immatriculation de Californie, 8YR127. Elle prend sa voiture et elle se rend à la fête, à la party comme on dit là-bas. Jagger Westfall, son petit ami, ne vient apparemment pas à la soirée, pour une raison inconnue. Les deux jeunes sont en contact permanent par SMS et avant que Kylie ne parte à la fête, Jagger lui envoie un SMS lui demandant d'être prudente et de ne rien faire de stupide. Donc Kylie part à la grosse fiesta, seule, en voiture, la fiesta qui est organisée par des copains et des copines de son lycée sur le terrain de camping dans la forêt nationale du lac Tahoe, au bord du réservoir de Prosser. Un plan d'eau où on peut se baigner, faire du bateau, etc. L'endroit est vraiment cool et il y a souvent des fêtes qui sont organisées là-bas. Donc la soirée démarre et l'ambiance est bonne. Tout le monde a l'air de bien s'amuser. En Californie, la consommation d'alcool n'est autorisée qu'à partir de 21 ans. Donc la majorité des participants à la soirée n'ont pas 21 ans. Mais bon, voilà, c'est l'été, tout le monde se lâche. Et bien évidemment, il y a de l'alcool. Les jeunes se défoulent et certains, pas tous évidemment, fument aussi des substances illicites. Voilà. Ça arrive aux USA comme dans beaucoup d'autres pays partout dans le monde et notamment en France. En ce qui concerne Kylie, elle passe un bon moment et elle boit quelques verres. Au cours de la soirée, Jagger, son petit ami qui est absent, lui envoie un SMS dans lequel il se plaint de sa journée difficile. Et vers 22h30, Kylie lui envoie un SMS dans lequel elle lui dit qu'elle est désolée qu'il ait traversé ça. Et c'est a priori le dernier message qu'elle lui envoie. Il faut dire qu'elle est occupée aussi, voilà, elle est avec ses amis, en train de faire la fête. Donc à ce stade, rien d'anormal n'est à signaler. En ce qui concerne le déroulement de la soirée, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a quand même plusieurs informations qui ont filtré. Au début, c'était juste une fête de lycéens, mais peu à peu, deux jeunes adultes sont arrivés, voire même des adultes plus âgés. En clair, il y a pas mal de gens qui sont venus de l'extérieur et beaucoup de personnes que les lycéens ne connaissaient pas. Au final,
plus de 300 personnes étaient présentes sur le terrain de camping. Et certains observateurs ont déclaré après coup que c'était un peu le chaos. Certaines personnes auraient amené des champignons et aussi de la coke. Par la suite, une bagarre aurait même éclaté. Bref, la soirée est partie un peu en sucette. Et d'ailleurs, ça me fait penser un peu à l'affaire Alonzo Brooks dont j'ai parlé sur ma chaîne. Ce qui est sûr, c'est que vers 23h30, Kielly envoie un texto à sa mère lui disant qu'elle prévoit de quitter le camping vers minuit 15 et rentrer à la maison. Lindsay, sa mère, lui dit alors de faire attention et de la réveiller quand elle sera arrivée à la maison. Toutes les deux se disent qu'elles s'aiment et c'est tout. Lindsay n'aura plus aucune nouvelle de sa fille. Pour rentrer chez elle, Kielly a un trajet d'environ 16 km à faire vers le sud parce que sa mère, Lindsay, vit à quelques kilomètres au sud de Truckee. Kielly en a pour environ 20 minutes de route. À minuit 33, le téléphone de Kielly cesse d'émettre près du terrain de camping dans la forêt nationale du lac Thao. C'était apparemment proche de l'eau. Quand le jour revient le 6 août 2022, Lindsay se rend compte que sa fille n'est pas rentrée de la nuit et elle s'inquiète évidemment. Elle alerte aussitôt la police et c'est là que l'affaire Kielly Rodney commence. Les hommes du bureau du shérif du comté de Placer démarrent aussitôt les recherches sur le terrain de camping dans la forêt nationale du lac Thao. Et ils vont bien entendu les étendre aussi assez vite autour. Sans résultat, malheureusement. Et ce qui est inquiétant, c'est que les autorités ne parviennent pas non plus à localiser le véhicule de l'adolescente. Les autorités vont donc publier un avis de disparition concernant Kielly. Le 7 août 2022, Kielly est toujours introuvable. Et le bureau du shérif du comté de Placer met en place une ligne téléphonique pour recueillir toute information relative à sa disparition. Les autorités lancent une opération de recherche massive. Et les policiers déclarent clairement qu'ils enquêtent aussi sur un enlèvement parce que le véhicule de Kielly a lui aussi disparu. On est incapable de retrouver son Honda CRV argenté de 2013. Comme dans toute enquête, des investigations vont être menées sur la téléphonie. Et on va voir la confirmation que le téléphone portable de Kielly s'est bien éteint à minuit 30 et qu'il n'a plus été utilisé par la suite. Mais il y a pire, il est totalement intraçable. Il est impossible de le géolocaliser. Donc là, les jours défilent et je vous raconte pas dans quel état sont sa mère, son petit frère et aussi tous ses amis. Ça commence à faire grand bruit cette affaire. Pendant ce temps-là, les forces de l'ordre continuent de rechercher intensément l'adolescente. Ils utilisent des hélicoptères, des véhicules tout-terrain. Des chiens renifleurs ont bien entendu aussi été amenés sur le site. Plusieurs forces de police de Californie et aussi du Nevada, parce que Kielly a disparu à la frontière avec l'état du Nevada, vont intervenir. Beaucoup de policiers sont mobilisés pour tenter de retrouver l'adolescente et aussi le FBI. Pourquoi ? Parce que la police fédérale américaine est compétente dans les affaires de kidnapping. Et là, dans le cas présent, on soupçonne fortement que Kielly ait été enlevée. La police va recevoir énormément d'informations de la part du public, plus de 1500 tuyaux. Les policiers vérifient tout. Dans le cadre de leur enquête, les policiers vont retrouver un certain nombre de personnes présentes à la soirée et ils vont apprendre que, apparemment, avant de disparaître, Kielly était assez ivre, une information qui n'a rien pour rassurer. Tandis que les recherches terrestres se poursuivent, des équipes vont parcourir le réservoir Placer, le lac, qui était tout près du camping, à bord d'un bateau. Ils envisagent logiquement que Kielly soit peut-être avec sa voiture dans les eaux du lac. Mais la tâche est difficile parce que ce lac fait 50 mètres de profondeur et l'eau est assez trouble. La visibilité est très réduite. Le 10 août 2022, la police fait une conférence de presse dans laquelle elle supplie les participants à la fête de témoigner. En effet, la police a reçu beaucoup d'informations de la part du public, mais aucune vraiment intéressante et souvent des informations en doublon. Ce que veulent les policiers, ce sont des témoignages de personnes qui étaient présentes à la fête et surtout qui auraient vu Kielly quitter physiquement la soirée. Parce que là, personne n'a rien vu a priori et personne ne s'est manifesté. Donc là, dans la semaine, l'enquête va monter en puissance. Plus de 265 policiers vont travailler sur le dossier. Et l'affaire va prendre une ampleur nationale. On va en parler partout dans les médias aux États-Unis. Une récompense de $75 000 est offerte pour toute information permettant le retour de Kielly. Mais force est de constater que l'enquête s'enlise. Sur le terrain, Kielly est introuvable, comme sa voiture. Et les policiers n'ont pas récupéré un seul objet lui appartenant. Les policiers n'ont réussi à interroger qu'à peu près la moitié des participants à la soirée. Il semblerait que les jeunes qui étaient présents ce soir-là ne veulent pas témoigner parce qu'en fait, ils ont peur. Beaucoup ont peur d'avoir des ennuis avec la justice parce que
Ils ont bu de l'alcool alors qu'ils n'étaient pas autorisés, ils n'avaient pas l'âge légal pour le faire, et d'autres ont consommé aussi des substances illicites. Les policiers tentent de les rassurer, ils leur disent qu'ils ne seront pas inquiétés, parce que la priorité c'est de retrouver Kelly, mais ça aura peu d'effet, les participants à la fête sont peu coopératifs avec la police. Ça fera même l'objet d'une déclaration officielle. Vu qu'ils disposent d'assez peu d'informations sur la soirée et que peu de témoins se sont manifestés, les policiers sont en difficulté. L'enquête est très difficile à mener et il faut dire aussi que certains détails ne font qu'ajouter un peu plus de mystère au mystère. Par exemple, quand Kelly est partie à la soirée, on pense qu'elle portait un hoodie blanc et rose avec marqué Odd Culture, le nom d'un groupe de musique. Mais les enquêteurs ont déclaré que la nuit du drame, quand les températures ont chuté dans les bois, Kelly aurait emprunté le sweatshirt de quelqu'un d'autre. Et ce vêtement portait l'inscription suivante « Tu ne veux pas être oublié, tu veux juste disparaître ». Un texte tiré d'un poème écrit par la chanteuse américaine Lana Del Rey, intitulé « Pass the Bushes Cypress Driving ». Si c'est vrai, c'est sans doute un hasard, mais il reste quand même troublant. Donc ça c'est un détail un peu bizarre de l'affaire, mais ça n'est pas fini. On va apprendre que le vendredi 6 août 2022, quelques heures avant que Kelly ne disparaisse sans trace, deux autres personnes en voiture originaires de Yuba City en Californie se sont aussi volatilisées dans la région. Bien qu'ils aient rompu depuis plusieurs années, Janet Gigi Pantora, 29 ans, et Juan Almanza Zavala, 36 ans, étaient restés amis. Et ce vendredi, ils étaient allés ensemble au festival de musique et de voiture Hot August Nights à Reno, dans le Nevada. Le 6 août 2022, vers 23h, Janet avait envoyé un texto à son petit ami actuel pour lui dire qu'elle serait à la maison dans 30 minutes, vers minuit donc. Et peu de temps après, son téléphone avait cessé d'émettre, à peu près au même moment que celui de Kelly Rodney. Donc là, la police locale a sur les bras trois disparitions survenues le même jour, trois disparitions survenues dans le même créneau horaire et dans le même secteur. Ça fait beaucoup, hein, et les médias vont en parler. En fait, la police se concentre quasiment tous ses efforts sur Kelly. C'est la priorité, et c'est bien dommage. Donc là, pendant quelques jours, on est un petit peu dans le brouillard total avec toutes ces disparitions, mais on va apprendre quelques jours plus tard que le couple a eu un accident de voiture fatale. On va retrouver les corps sans vie de Janet et de Juan dans leur véhicule écrasé dans le secteur de Penn Valley, près de l'autoroute Highway 20, mais hors de vue. En fait, le véhicule n'était pas visible de la route. On a retrouvé le couple disparu, décédé malheureusement, à environ 100 km de l'endroit où avait été vu pour la dernière fois Kelly. Il semblerait que les deux affaires n'avaient aucun rapport entre elles. C'était juste un malheureux hasard. Mais ça n'est pas fini. Je me suis rendu compte qu'une autre jeune femme a elle aussi disparu, mystérieusement, avec sa voiture, la même nuit que Kelly. Jolissa Fuentes, une jeune femme de 22 ans, s'est elle aussi volatilisée la même nuit que Kelly, la nuit du 6 au 7 août 2022. D'origine mexicaine, la jeune femme a été vue pour la dernière fois vers 4h du matin dans une station-service de Selma, une ville du comté de Fresno, à 4 heures de route de Truckee. Jolissa a été filmée par une caméra de vidéosurveillance en train de sortir du magasin, retourner à sa voiture et repartir. Comme Kelly, Jolissa avait assisté à une fête chez un ami et devait rentrer chez elle. Notons que l'affaire Jolissa Fuentes est elle aussi non élucidée à l'heure actuelle, elle fait l'objet d'une enquête, hein. Mais on parle beaucoup moins de cette disparition que de celle de Kelly Rodney. Et la récompense pour récupérer Jolissa n'est que de 5 000 $ contre 75 000 $ pour Kelly. Il y a une énorme différence entre les deux récompenses et c'est toujours choquant de voir la différence de traitement entre les gens à croire qu'ils n'ont pas la même valeur. Jolissa est d'origine mexicaine, tandis que Kelly, elle, est bien blanche, voilà. D'ailleurs, en ce qui concerne le couple qui avait disparu en revenant de Reno, Janet et Juan, ils étaient aussi d'origine mexicaine. Et avant qu'on ne retrouve leur corps, leur famille s'était plainte aussi du manque d'implication de la police pour les retrouver. On ne parlait que de Kelly déjà, et les familles l'avaient déploré. En ce qui concerne l'affaire Jolissa Fuentes, c'est pareil, elle est vraiment très très peu médiatisée comparée à celle de Kelly, il y a beaucoup moins de moyens, et par conséquent, s'il y a moins de moyens, il y a tout simplement moins de chances de la retrouver. Voilà. Énorme rebondissement dans l'affaire Kelly Rodney. Nous sommes le lundi 22 août 2022. J'étais en train de travailler sur le montage de ma vidéo, et là, je viens d'apprendre, ça vient de tomber vraiment il y a très peu de temps, on vient de trouver le corps de Kelly dans le réservoir Prosser, donc près du lieu de camping. C'est le groupe de plongeurs bénévoles Adventure for Purpose qui travaillait depuis quelques jours qui l'ont retrouvé. D'après les premières informations qu'on a, ils ont retrouvé sa voiture, donc sa Honda, avec le corps de Kelly à l'intérieur. La voiture était apparemment à l'envers. Donc déjà, c'est une triste nouvelle. On a la confirmation de ce que je pressentais, voilà, qu'il est arrivé malheur
à cette jeune fille. Elle est décédée. Reste à savoir maintenant dans quelles circonstances. Du coup, ça chamboule le reste de ma vidéo. Là, je suis obligé de m'adapter. C'est une affaire de l'actualité chaude. Donc, on va essayer de passer en revue les différentes théories qui sont envisageables. Je le fais à chaud, encore une fois. Bien entendu, la thèse de l'accident va sans doute être étudiée parce que c'est vrai que Kelly était alcoolisée avant de partir. Elle n'était pas forcément en état de conduire. Donc, on pourrait peut-être effectivement envisager la possibilité qu'elle ait fait une sortie de route et qu'elle soit allée dans l'eau. Mais bon, j'ai quand même d'énormes doutes parce qu'il y avait quand même 300 personnes présentes sur place. Si jamais un tel accident est survenu, il y a forcément quelqu'un qui a vu quelque chose. Donc là, ça voudrait dire qu'il y a vraiment eu une énorme non-assistance à personne en danger. J'ai quand même quelques doutes à ce niveau-là. Je pense que peut-être que quelqu'un quand même aurait appelé le 911. Je pense qu'à ce stade, il ne faut certainement pas écarter la possibilité d'un acte criminel. Il faut attendre que la police fasse son enquête et aussi avoir les résultats de l'autopsie, savoir de quoi elle est morte. Moi, j'aimerais connaître aussi l'endroit où était Kelly dans la voiture. Est-ce qu'elle était à la place du conducteur ou est-ce qu'elle était dans le coffre, par exemple? Si elle était dans le coffre, je pense que les choses sont assez claires. On peut certainement pas écarter non plus un acte criminel. Vu que Kelly était alcoolisée, elle était vulnérable. Et peut-être que une ou plusieurs personnes mal intentionnées ont pu s'en prendre à elle. Ils auraient très bien pu l'agresser, peut-être dans un coin un peu tranquille, près du camping, et ensuite lui ôter la vie pour ne pas qu'elle parle. En Californie, la peine de mort n'est certes plus appliquée depuis plusieurs années, mais le ou les responsables de la mort de Kelly savaient pertinemment que s'ils se faisaient prendre, ils risquaient gros, quoi. Ils risquaient de passer tout le restant de leur vie derrière les barreaux. Donc si quelqu'un, ce soir-là, a eu une pulsion et a agressé Kelly, s'il a tué ensuite pour pas qu'elle parle, eh bien voilà, il a très bien pu prendre cette décision radicale de la supprimer et ensuite de maquiller les faits. Sous le coup de la panique, le ou les criminels auraient ensuite remis Kelly dans sa voiture et l'auraient fait basculer dans l'eau. C'est l'idée qu'ils ont eue sur le moment, l'idée qui leur paraissait la meilleure pour faire disparaître la voiture et le corps de Kelly, mais bon, voilà, à moyen ou long terme, il était à peu près sûr que ce lac, ce réservoir Prosser serait fouillé, serait sondé en profondeur et qu'on trouverait tôt ou tard la voiture de Kelly. La dernière possibilité aussi qui me vient à l'esprit, c'est l'homicide involontaire. Est-ce que lors de cette soirée, Kelly n'aurait pas pris des substances illicites? Est-ce qu'elle n'aurait pas fait une overdose? Et est-ce qu'on n'aurait pas maquillé sa mort? On sait qu'il y avait des personnes assez peu recommandables qui s'étaient incrustées dans cette soirée. On sait qu'il y avait de la drogue qui circulait, des champignons hallucinogènes, de la coke, etc. Est-ce que Kelly n'a pas pris une substance ou est-ce qu'on ne lui a pas fait prendre une substance? Ou alors tout simplement de l'alcool, est-ce qu'elle n'a pas fait un coma éthylique, j'en sais rien. Est-ce que les personnes éventuellement responsables de son décès n'ont pas voulu cacher les choses? Voilà pourquoi ils auraient maquillé sa mort en accident, ils l'auraient remis dans sa voiture et l'auraient fait basculer dans l'eau. Voilà, c'est aussi possible. En tout cas, ce qui paraît assez évident, c'est que quelque chose s'est mal passé ce soir-là, que beaucoup de gens savent ce qui s'est passé, mais que tout le monde se tait. Voilà, ça pourrait expliquer aussi le silence de tous les participants à la fête, depuis le début. S'ils savent qu'il y a eu une overdose, que certains ont maquillé les choses, ça pourrait expliquer pourquoi ils ne veulent pas parler. Ils ne veulent pas avoir de problème avec la police. Ils savent que ça risque de ruiner aussi leur avenir, parce que voilà, tous sont jeunes, ils ont peut-être une belle carrière universitaire qui les attend, et s'ils sont impliqués dans cette affaire, ça risque de faire tâche, quoi. Si jamais leur nom est associé à la mort de Kelly d'une façon ou d'une autre, ça risque de les suivre tout le restant de leur vie. Voilà pourquoi tout le monde se tait. Mais bon, il est sûr que certains savent ce qui s'est passé. En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que je vais suivre le reste de cette affaire. Je vais attendre de voir un peu les résultats de l'enquête. Maintenant, il faut attendre que la police fasse des investigations. Il faut attendre le résultat de l'autopsie aussi. Si jamais elle a fait une overdose, là, on le saura clairement. Donc voilà où on en est à l'heure actuelle. En tout cas, on peut tirer notre chapeau au groupe de plongeurs bénévoles Adventure for Purpose qui ont trouvé la voiture et le corps de Kelly. Il faut quand même noter que ce sont des civils, hein. Ça faisait quand même plus de 15 jours que les forces de police de Californie, Nevada et aussi le FBI étaient tenus en échec. Et là, ce sont des civils qui ont permis une énorme avancée dans la résolution de l'affaire. Donc là, je pense qu'il va falloir attendre plusieurs jours pour avoir le résultat de l'autopsie, le résultat aussi des analyses toxicologiques. Et là, ça nous permettra d'en savoir plus sur les circonstances exactes de la mort de Kelly. Donc en ce qui me concerne, je vais continuer à suivre l'affaire. Ayons bien entendu une grosse pensée pour la mère de Kelly, son petit frère et aussi ses proches qui sont vraiment endeuillés. Voilà, là ça peut être assez terrible, mais bon,
En ce qui me concerne, je m'attendais au pire. Donc attendons la suite, et dans le cas où Kieli aurait été victime d'un crime ou d'un homicide involontaire, espérons que le ou les responsables seront assez vite identifiés et qu'ils répondront de leurs actes devant un tribunal. Voilà, donc la fin de cette vidéo est un peu chamboulée, mais bon, vous voyez, je m'adapte à l'actualité chaude. Et si jamais il y a des gros rebondissements encore dans l'affaire, je ferai des mises à jour, très certainement dans des posts à ma communauté sur YouTube. Je le fais de temps en temps, allez y jeter un œil. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur cette affaire, tout ce qu'on peut dire à l'heure actuelle sur cette affaire, parce qu'on attend maintenant de nouvelles informations. Donc c'est une affaire un peu folle, vous voyez, il y a eu des rebondissements, même dans cette vidéo du coup. Je pense que c'est vraiment l'affaire de l'été 2022 aux États-Unis, et on n'est pas à l'abri qu'il y ait encore des coups de théâtre, hein, vous savez, on peut pas savoir. Donc à suivre, si vous avez aimé cette vidéo qui était un petit peu au cœur de l'action, vraiment en temps réel, je vous remercie de mettre un like, et aussi de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore le cas. Voilà. De cette façon, vous ne louperez aucune future vidéo. Merci. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite une belle fin d'été. On va se retrouver début septembre. Prenez soin de vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouveaux mystères. Et surtout, ne disparaissez pas. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean, and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to fill, I took the red pill.